حكيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? En effet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh signifie que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Ou encore, et la paix et la miséricorde de l'Éternel soient sur vous. Ça, c'est la salutation islamique. Quel que soit le jour, la nuit ou la période ou le circonstance ou là, hein, ça dépend du, il y a pas de, il y a pas de moment pour accepter la salam. La salam, c'est la paix, hein, la paix, l'harmonie, l'amour, la fraternité. Donc la paix chez vous, la paix chez nous, la paix dans le monde entier. Nous sommes dans le mois béni de Ramadan. Nous sommes dans les 10 derniers jours du mois béni de Ramadan. Ramadan, c'est le 10e, sinon le 9e mois. Voilà, j'allais dire le 9e mois du calendrier égyptien. Le premier mois du calendrier égyptien, c'est Muharram, Safa, Rabi al-Awwal, Rabi al-Sani, Jumad al-Oula, Jumad al-Ukhra, Shaban, Ramadan, Shawwal, Zulqaada, Zulhijja. Donc nous avons 12 mois dans le calendrier musulman. Aujourd'hui, nous allons continuer d'en parler. L'actualité, qui est le véritable Dieu, créateur des cieux et de la terre, Jésus-Christ fait partie de ce Dieu-là. Allah, c'est lui-là qui est le véritable. Ou encore, Yeshua, Mashiach, comme d'autres l'appellent. Est-ce lui le véritable créateur des cieux de la terre? Qui devons-nous adorer? Ton cœur peut être malade. Tu connais le véritable créateur des cieux de la terre? Tu es guéri, frère. Jésus a dit, je suis venu, pas pour ceux qui sont en bonne santé, mais pour ceux qui sont malades. Ce n'était pas la maladie physique, mais la maladie du cœur. 12:29, écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Voilà le premier de tous les commandements. Sourate 7, dans plusieurs passages de la sourate Al-Haraf, les prophètes sont venus à leur peuple. Shuaïb, Oud, Salih, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et tous les autres. Il dit à son peuple, votre Dieu est un Dieu unique. Nous parlons de l'unicité de l'éternel Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souhaitent que les musulmans laissent Allah de côté, qui est leur divinité, pour aller adorer, n'est-ce pas, une autre divinité en dehors d'Allah. Alors que en islam, nous répétons La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Mais La ilaha illallah, pas de divinité à Allah. Donc, s'il n'y a pas de divinité à part Allah, nous devons reconnaître qui est le véritable créateur de la terre. Est-ce moi, disons, quand je dis moi, un être humain, est-ce aussi Maman Marie que nous devons adorer? Est-ce Bouddha que nous devons adorer? Est-ce que c'est Allah? Même si vous ne l'appelez pas Allah, est-ce que c'est lui qui est le véritable créateur des cieux et de la terre? Il y a l'habitude de donner un verset biblique comme ça. Matthieu 27, 46. Jésus sur la croix, il dit « Eloi, Eloi, lama sabatani ». Dans d'autres versions, on met « Eloi, Eloi, lama sabatani ». Dans d'autres versions, ils ont mis « Eli, Eli, lama sabatani ». Mais tout ça se rapproche d'Allah. Parce que Eli fut un prophète.
Eloi correspond à Allah, hein? Eloha, ça se rapproche d'Allah également. Donc, le véritable créateur de ceux de la terre, il s'appelle Allah. J'ai la Bible des Maliens, nos frères du Mali. Les chrétiens du Mali, dans leur Bible, c'est Allah qui est écrit dedans. Pourquoi se fait-il qu'ils sont chrétiens? Dans leur Bible, c'est écrit Allah. Dans la Bible des chrétiens arabes, on a une Bible chrétienne ici, c'est écrit Allah dedans. Comment se fait-il qu'ils sont chrétiens? Ils sont arabes et puis leur divinité s'appelle Allah. Non, il y a quelque chose qui ne va pas, les gars. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, ça va se savoir ce soir. Nous avons en notre compagnie Aziz Khan depuis l'Égypte, notre invité de tous les jours, pour nous désifier durant beaucoup de thèmes, n'est-ce pas? Mais nous sommes en train de nettoyer un certain nombre de choses que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en train de dire. Jésus-Christ est Dieu, les musulmans ne comprennent pas, les musulmans n'ont pas le véritable Dieu. Ok, on a invité les divinités aujourd'hui. Quand j'ai dit les divinités, tous ceux qui se réclament d'avoir le véritable Dieu, on vous a invité ce soir, on va donner la parole à Aziz Khan tout à l'heure, il va faire son développement, vous prenez note. Si ce qu'on dit est vrai ou faux, vous allez analyser. Parce qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir, il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Si nous étions dans le faux, nous sommes à près de 37 convertis dans ce seul mois de Ramadan. Même demain, de 14h, sinon de 13h30 à 15h30, il y aura, n'est-ce pas, une rubrique qui est consacrée aux petits poteaux téléphoniques. Il y a beaucoup de pasteurs et des hommes de Dieu qui nous ont lancé des défis. Ils veulent qu'on échange au téléphone. Ismaël Akar sera la partie technique, Inch'Allah. Et ensuite, on va faire les conversions parce qu'il y a une série d'au moins 10 personnes qui sont programmées à se convertir. Est-ce que nous les avons obligées? Non. On leur a donné de l'argent? Non. Nous les avons menti. Si tel est le cas, est-ce que nous pouvons mentir au moins à 40 personnes? Ils sont tous naïfs? Non. Posez-vous la question. Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, tout à l'heure, je vais donner la parole à mon frère Aziz. Mais en attendant qu'Aziz ne vienne, on va écouter un peu mon frère Steve. Voilà. Bonjour, mon nom c'est Reginald. Reginald. Quand je regarde autour de moi, Nam. Je fais le constat que tout n'est que vanité. Dans la vie, se battre pour les choses n'en vaut pas la peine. Wallahi. Tes plus beaux vêtements peuvent être des torchons pour quelqu'un d'autre. Mm-hmm. La balance de ton compte en banque peut représenter le don d'une personne lors d'une soirée caritative. Ta petite amie, ton petit ami, ton fiancé, ton mari, ta femme est l'ex de quelqu'un. Chaque prostituée que tu vois dans un hôtel ou dans la rue, Nam. Durant la nuit, était vierge à un moment donné. Alors pourquoi ces querelles? Marie, ta femme est... Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Aziz Khan, vous avez la parole. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Subhana zil izzati wal jabarut. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت خلائق ولا يموت سبح القدوس القدوس سبحان ربنا الأعلى رب الملائكة وروح سبحان ربنا الأعلى الذي يميت خلائق ولا يموت الحمد لله حي قبل كل حي والحي بعد كل حي والحي فوق كل حي الحي يحتاج الله كل حي والحي لا يحتل كل حي الحي لا يموت قيوم لا ينام رازق بلا مؤنى مميت بلا مخافة الموجود قبل الوجود وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين القران الكريم Frères en islam, toutes les louanges sont à Allah Ta'ala qui nous ramène une fois de plus ce dimanche, ce lundi plutôt, pour essayer de rétablir les choses. C'est Allah Ta'ala qui nous a créés, qui est le créateur de tous ceux qui le connaissent, même ceux qui ne le connaissent pas. Tu vas beau renier ce créateur-là, celui qui t'a créé, même si tu ne sais pas. Il est hayy qabla kulli hayy. Il est le vivant avant toutes les vies et toutes les vies sont dépendantes de sa vie. Il est l'intemporo-spatial. Et sa vie au-dessus de toutes les vies. Il vivait avant la vie. Il a fait vivre la vie et il nous a fait vivre dans la vie. Et dans cette vie-là, il va nous arracher la vie encore. Et cette même vie-là, il va faire mourir cette vie. C'est le créateur aussi de la mort. Donc, Al-Hayy Qabla Kulli Hayy.
والحي بعد كل حي والحي يحتاج له كل حي. Et toute la vie a besoin de sa vie. Lui, il est l'indépendant de qui tout dépend. Il est l'intemporo-spatial. Il n'a pas les facteurs exogènes. Hein? Il vit par lui-même. Al-Hayyu la yamut. Il est le vivant qui ne meurt pas. Si ton Dieu est mort une seconde, il ne peut plus être Dieu. Il ne dort pas, il ne somnole pas. Il ne dort pas, il ne somnole pas. Dans la Bible comme dans le Coran. Celui qu'on appelle Allah. Et avant de commencer, on demande pardon à tous les frères d'essayer de revoir en fait la symbiose qui est entre les chrétiens et les musulmans. Maître Mehdi Mahamoud l'avait dit hier, la civilité, sur le plan comportemental. Il avait donné en fait des conseils parce qu'il y a des prises de bec en fait à notes écrites. Quand tu vois les commentaires, les musulmans en fait avec les chrétiens, il y a beaucoup de paroles au moment de l'émission. C'est après que tu te rends compte qu'ils se sont jetés en fait beaucoup, beaucoup de trucs. Donc on demande pardon à tous les frères, c'est une famille et on est obligé en fait de s'aimer et d'engendrer cette symbiose-là. Et donc Maître Mahmoud, il a essayé de revenir sur les typographies. Donc nos problèmes aujourd'hui, c'est le problème des typographies. Avant même de parler des typographies qui sont corroborées dans le Coran, Allah Ta'ala, il a fait que nous sommes dans le mois béni, le mois de Ramadan. Et dans le mois de Ramadan, nous sommes dans les 10 dernières nuits. Et comme nous étions en train d'essayer de recadrer les choses avant, des gens qui croyaient qu'il y avait une autre divinité qui s'appelait Jésus, ce qui est faux, et on va démontrer ça actuellement. Et on va essayer de faire une digression introductive sur le mois de Ramadan, parce que depuis tout le mois de Ramadan, on n'a pas parlé des mérites de ce mois aux frères musulmans. Donc, il n'y a pas eu de cours qui était purement coranique. Et on s'en excuse pour ça. Donc, Allah, il parle des nuits dans le Coran. Et Allah, Ta'ala, il cite aussi, en fait, la valeur de Laylatul Qadr, la nuit de la destinée, qui est mieux que 1000 mois, n'est-ce pas? Donc, si on dit à notre frère, il peut nous faire la lecture directement de la Sourate 76, verset 24. Voilà, j'ouvre mon micro, Sourate 76, verset 24. Je suis à la page, Sourate 76, verset 24. Endure donc ce que ton Seigneur a décrété et obéis, n'obéis ni aux pécheurs parmi eux, ni aux grands mécréants. Sourate 76, verset 24. Jusqu'à 24, 25 et 26. Alors, il parle de la nuit là-bas, la nuit. Ok. Et invoque le nom de ton Seigneur matin et après-midi et prosterne-toi devant lui une partie de la nuit et glorifie-le de longues heures pendant la nuit. Donc ça, c'est la nuit qui est ordinaire. Ça n'a rien à voir avec la nuit du destin. Pour dire que la nuit est très importante. Alors, dans le Coran, il cite la nuit, il cite le jour. La valeur du Ramadan, c'est le Coran. La valeur de Mohammed, c'est le Coran. La valeur de notre communauté, c'est le Coran. Le Coran est descendu le mois de Ramadan. Raison pour laquelle le mois de Ramadan est important. Le Coran a été révélé à qui? Au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le dernier testament. Raison pour laquelle le prophète, il est le meilleur des prophètes. Parce qu'il a reçu le dernier livre, le meilleur des livres. Et ce livre-là est descendu la nuit. Allah, il dit, « Inna anzanau fi laylatil » Mubaraka inna kunna munzilin. Dans un autre verset, j'ai fait descendre ce livre dans la nuit bénie. Et la nuit bénie là, c'est quelle nuit? Allah nous explique encore dans la sourate al-Qadr. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre la nuit de la destinée. Et on avait rappelé que les quatre grands livres, la Torah, l'évangile de Jésus, le Zabur de David et le Coran du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont descendus dans le mois de Ramadan, seulement que le Coran prend la 27e nuit. Donc la nuit est importante. En dehors même du Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait 11 rakat chaque nuit. Est-ce que vous voyez? Donc le frère a cité le verset dans la sourate 76, verset 24 à 26. L'une encore, la sourate 17, verset 79. Sourate l'Isra. Sourate le voyage nocturne, verset 79. Je suis à la page. Sourate 17, verset 79. Et de la nuit, consacre une partie avant l'aube pour des salats surrogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite à une position de gloire. Donc, ça, c'est la valeur même
de la prière de nuit en dehors du mois de Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ange Gabriel est venu le saluer, il lui a donné inchallah un conseil. Ya Muhammad, ish man shita fa inna kalmeet. Vis comme tu veux, tu vas mourir. Aime celui que tu veux, fa inna ka mufarriquhu. Tu vas te séparer de lui un jour. Fa'alam, regardez un ange qui donne le conseil à un prophète. C'est que c'est important. Et fa'alam anna sharraf mu'min qiyamul layl. Faut savoir que l'honneur du croyant, c'est la prière de nuit. Ça, c'est la nuit qui est ordinaire. Ça n'a rien à voir avec la nuit même du destin. Donc, prier la nuit, c'est très important. Or, la surat 9, verset 142. Surat Taubat, le repentir, surat 9, verset 142. Je suis à la oui, page. Ça. Non, surat 9, c'est verset 128, ça s'arrête. Ou bien verset combien? Surat le repentir, surat, verset... surat 44, verset 3. Surat, surat, voilà. Surat 44, verset 3. Surat 44, le verset 3. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous en sommes en vérité celui qui avertit. Donc ça, c'est la nuit, pas la nuit de Laylatul Qadr. Mais Allah n'a pas cité la nuit nommément. Inna anzalnahu fi laylatil mubaraka. C'est une nuit qui est bénie. Une nuit qui a beaucoup de baraka. Inna kunna munzilin. La surat al-Qadr maintenant, Allah va nous expliquer. Mais avant de rentrer dans la surat al-Qadr, la surat Isra. Allah dit... Subhanallazi asara bi 'abdihi laylan. Allah cite encore la nuit. Surat 17 verset 1. Surat 17 verset 1. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Muhammad de la mosquée d'Al-Haram à la mosquée d'Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour afin de lui voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Oui. Donc, Allah cite encore la nuit. Subhanallazi asara bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Allazi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Donc, pour dire que la nuit, c'est important. Le voyage nocturne a été fait la nuit. Le Coran est descendu la nuit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est devenu prophète la nuit. Allah parle de la nuit dans le Coran. وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً فَأَتْمَمْ بِهِ. Allah a dit, on a appelé Moïse pendant 30 nuits. On a complété combien de nuits aussi, là? On a complété 10 nuits dessus. 10 nuits. Est-ce que tu 40. Vois? Bon, il faut lire la sourate aussi, la sourate 89, verset 2. Allah parle de la sourate, où il parle de la nuit de père et puis de l'impère. Sourate 89, verset 2. Par l'aube et par les 10 nuits, et par l'impère et l'impère. Okay. Allah parle là des 10 nuits, mais ça n'a rien à voir avec les 10 nuits en fait, du Ramadan. Ça concerne les 10 nuits de Zulhijja. Mais je vais faire ressortir la nuit. Allah n'a pas dit 10 jours. Allah a dit 10 nuits. La nuit précède le jour, parce que la nuit est importante dans l'adoration. Donc, de façon basique, il faut comprendre que la nuit même, c'est important. Mais à combien forte raison, a priori, la nuit mène à de la destinée. Donc, pour dire aux musulmans, les 10 dernières nuits, c'est tellement important, donc on doit essayer de se motiver, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au moment des 10 dernières nuits, il serrait son izar, il s'écartait des rapports Chanel et il était dans l'adoration. Il le faisait où maintenant? Il le faisait dans la mosquée. Combien de fois la mosquée est importante? Prends la surat 3, verset 96. Surat 3, verset 96, surat 3, la famille d'Imran, la famille de Jésus-Christ, Imran. Surat 3, verset 96. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Baka, la Mecque bénie et une bonne direction pour l'univers. Inna awwal bayti wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkata mubarakan hudan lil alamin. Allah dit, la première maison qui est la cause de la guidée, c'est Baka. Donc ça, c'est le centre. Allah parle de beaucoup de la Kaaba dans le Coran. Donc les musulmans, quand ils font la prière, ils regardent la Kaaba. Et la Kaaba est dépendante d'une mosquée qu'on appelle Beit Ma'mour. Beit Ma'mour, il y a en fait la Kaaba céleste. Donc, il y a la Kaaba céleste et la Kaaba terrestre. Il y a une relation entre ces Kaaba-là. La Kaaba céleste et la Kaaba terrestre. Il y a une connexion. On appelle ça centre énergétique positif et le centre énergétique négatif. Tous les endroits où il y a la mosquée, où les gens ils font des va-et-vient, c'est le centre énergétique positif. Donc, la Kaaba Beit Ma'mour, il y a le tawaf qui se faisait avant la Kaaba de la terre. Alors, il dit, « Inna awwal baytun wudi'a lin-nas » La première maison qui est la cause de l'idée de l'univers.
C'est la première maison. Mais avant cette maison, c'est-à-dire, il y avait une mosquée qui était dans le Beit Ma'mour. Ça, c'est dans les hadiths, ce n'est pas dans le Coran. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, il y a le Beit Ma'mour, il y a une maison. C'est-à-dire, les anges, ils vont tourner autour du Beit Ma'mour. 70 000 anges qui rentrent, ils font la circumambulation de la forme graphologique. Quand ils vont faire les 70 000 anges, quand ils vont sortir, ils ne reviendront plus jusqu'au jour de la résurrection, tellement il y a beaucoup d'anges. Donc cette adoration de la forme graphologique est faite dans l'univers. Et Allah, il veut que cette adoration se fasse chaque année où? À la Mecque. Donc il y a une connexion entre la Kaaba céleste et la Kaaba terrestre. Et après la Kaaba terrestre, Allah maintenant, il veut qu'on soit connecté à la Kaaba. Donc le fait qu'on prie dans les mosquées, on fait face à quoi? On fait face à la Kaaba directement. Donc Allah, la première mosquée, la mosquée mère, et toutes les filles, toutes les mosquées sont les filles de la Kaaba. Même si la Kaaba terrestre est dépendante de la Kaaba céleste, mais toutes les filles de la Kaaba sont, toutes les mosquées plutôt, sont les filles de la Kaaba. Donc Allah mentionne la première maison, la Kaaba, Bakka, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne le Beit Ma'mour, la circumambulation qui se fait là-bas, et la circumambulation qui se fait aussi ici. Et maintenant, les mosquées avec petit M font face où? À la Kaaba. Il y a une connexion entre le Beit Ma'mour et la Kaaba terrestre. Il y a une connexion entre la Kaaba terrestre et toutes les mosquées de Djouma. Donc, il faut lire la sourate 7, verset 18. La sourate 7, verset 18. Surat Al-Haraf, surat 7, le verset 18. Je suis à la page. Sors de là, dit Allah, banni et rejeté, quiconque te suit parmi eux, de vous tous, j'emplirai l'enfer. Surat 7, verset 18. La sourate 9 aussi, verset 18 plutôt. Inch'Allah. Surat Taubat. Voilà. Sourate 9, verset 18. Nous peuplerons les mosquées. Non, ne peuplerons les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier accomplissent la salat, acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Allahu Akbar. Allah dit, innama ya'mur masajid lillahi man amana billahi wal yawmil akhir. Allah dit, ceux qui occupent les mosquées. Là, il s'agit là, pas de la Kaaba, mais il s'agit des petites mosquées, des mosquées de Djouma, qui sont connectées à. Le Beit Ma'mour est connecté à la mosquée de la Kaaba, et la Kaaba est connectée aux autres petites mosquées. Et même dans la sourate 71, dans la sourate Djinn, où Allah parle de la Kaaba, la sourate Djinn. Rapidement, prends la sourate Djinn, la sourate 71. Je vois le verset rapidement. Non, Suraj Jin, c'est Allah la dit, les mosquées 72. appartiennent à Allah. Oui, allons-y. 72. La mosquée, elle dit, les mosquées appartiennent à Allah. Vous devez adorer que Allah seul. Donc Non. Allah cite les petites mosquées. Donc il fait une synthèse. Il va parler de la Kaaba terrestre et le prophète parle de la Kaaba céleste où il y a la circumambulation. Et la circumambulation aussi se fait aussi où? À la Kaaba terrestre. Maintenant, les petites mosquées font face pour ça à la Kaaba terrestre. Donc, il y a une connexion. Mais si les musulmans, maintenant, ils prient à la mosquée, maintenant, cette bénédiction, cette rahma, cette connexion, ils ont ça. Et le fait, maintenant, qu'ils prient à la mosquée, ils vont se retenir pour prier où ça, maintenant? À la maison. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, ne rendez pas vos maisons comme des quoi? Comme des tombes. Vos prières seront rogatoires où? Chez vous, à la maison. Donc, il y a toujours la connexion. Donc, de la maison jusqu'à la petite mosquée, il y a une connexion. De la petite mosquée jusqu'à la grande mosquée, il y a une connexion. De la grande mosquée, toutes les mosquées convergent vers la Kaaba et la Kaaba terrestre est en connexion avec la Kaaba céleste. Donc, pour dire qu'au fait, les musulmans, ils sont toujours dans la connexion. Donc, Allah parle beaucoup de la mosquée. Allah parle de Kaaba. Il parle de Kaaba dans le Coran. Ça, c'était une parenthèse. Et Maître Mehdi Mahmoud, hier, il nous a expliqué la typographie. Parce qu'aujourd'hui, on est en face de quoi? De la mauvaise compréhension. En l'occurrence, la connaissance stylistique, la prophétologie prédictionnelle ou bien prévisionnelle, est la science qui étudie les prophètes et puis les prophéties. On a dit qu'il faut avoir une connaissance historique pour les non-contemporains. Il faut avoir une connaissance événementielle pour les contemporains. Il faut avoir une connaissance géographique. A été envoyé. N'est-ce pas? Généalogique. Et il faut avoir une connaissance numérique. Il faut avoir une connaissance stylistique. Et là, entre nous, avec les gens qui croient que Jésus est Dieu,
C'est un problème de connaissance stylistique. Et avant d'aborder ce point de connaissance stylistique avec les versets qui prouvent que le seul créateur c'est Allah, dans le Coran et dans la Bible, dans Ésaïe, on va démontrer ces versets-là, mais les typographies nous empêcheront de comprendre la connaissance stylistique. Et donc les typographies sont bien expliquées. Donc Maître Meïté Mahmoud hier, il nous a expliqué la typographie, mais c'est corroboré dans le Coran. La première typographie, la typographie ostentatoire. Bon, ça c'est le contraire de la sincérité. Celui qui est orgueilleux, c'est-à-dire du matuvisionnisme. Allah dit, il se montre devant les gens, c'est-à-dire l'adoration de façon ostentatoire, il n'évoque Allah que peu de temps. Ça c'est le manque de sincérité. Alors que dans le Coran, Allah nous rappelle de l'adorer. Sourate 2, verset 21. Sourate Baqara, la Surat page. Sourate 2, verset 21, rapidement. Le verset 21, je suis à la page. Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédé. Ainsi atteindrez-vous à la piété. Donc là, Allah nous dit de l'adorer. Ya ayyuhan nas, ça c'est la gente humaine. U'budu rabbakum, adorez votre Seigneur. Allazi khalaqakum, qui vous a créé. Wallazina min qablikum, la'allakum tattaqun, qui a créé ceux avant nous, jusqu'à ce qu'on soit pur. Donc notre but de notre création, c'est l'adoration. Sourate 51, verset 56. Wama khalaqtu ad-dinna wal insa illa liya'budun. Fais la lecture rapidement. Sourate 51, verset 56. Je suis à la page. Sourate 51, verset 56. Allah dit ceci. Il dit, je n'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Oui. Là, Allah, maintenant, il est en train de nous montrer comment on doit l'adorer. Maintenant, il va nous donner maintenant la manière de l'adorer, qui est contraire de l'adoration de façon ostentatoire. Parce que le fait d'adorer Allah avec ostentation, c'est le contraire de la sincérité. Donc, Sourate 98, verset 5. Sourate 98, verset 5. Le verset 5. Je suis à la page. Sourate 98, verset 5. 98, voilà la preuve. Verset 5. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Allah, lui vouer un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Voilà la religion des droitures. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ أَوْ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Donc Allah nous dit de l'adorer dans la sourate 2, verset 21. La manière de l'adorer, on ne doit pas adorer Allah avec ostentation. Donc la sincérité, c'est le contraire de l'orgueil. Donc ça, c'est la typographie ostentatoire. Donc c'est corroboré dans le Coran. On va maintenant sur la deuxième typographie, la typographie mercantile. Sourate 2, verset 79. Sourate 2, Baqara, verset 79. Sourate Baqara, verset 79. Je suis à la page. Sourate 2, verset 79. Et je dis, malheur donc à ceux qui de leur propre main composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profil. Malheur à eux, donc, à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. Très bien. Fawailu lillezine yaktubuna kitaba bi aidihim, summa yakuluna haza min indillah, liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailu lahum mimma katabat aidihim, fawailu lahum mimma kenu yaksibun. Malheur à ceux qui font un livre, et il dit que ce livre vient d'Allah. À cause de quoi ils font ça? Ça c'est le plus grand danger, parce qu'il y a séquestration arbitraire. Il y a faux usage du faux, détournement de fonds, détournement de mineurs. Et ça, c'est le plus haut degré du péché. C'est-à-dire qu'ils changent la parole du Dieu créateur. Ce n'est pas la parole du président. Ce n'est pas la parole du ministre. Ce n'est pas la parole d'un roi. Rabbus samawat wal aradin, le créateur qui t'a créé, tu changes la parole à cause de l'argent, des biens mercantiles. Allah le prévient dans le Coran. Avec cette typographie, tu ne peux jamais comprendre la religion. Lise nous surat, surat verset 41. Surat. Verset 41. Sourate combien? Sourate 2, verset 41. La sourate Baqara toujours. Toujours. Baqara, verset 41. Sourate 2, verset 41. Je suis à la page. Et croyez à ce que j'ai fait descendre en confirmation de ce qui était déjà avec vous, et ne soyez pas les premiers à les rejeter, et n'échangez pas mes révélations contre un vil prix. C'est moi que vous devez craindre.
Donc là, il s'agit là de la typographie mercantile. Ils connaissent la vérité, mais ils changent à cause d'un bien matériel de ce bas monde. Dans la sourate 3 encore, versets 93 à 94. Sourate la famille d'Imran, versets 93 à 94. Je suis à la page. Sourate la famille d'Imran, versets 93. Toute nourriture était licite aux enfants d'Israël, sauf ce que Israël lui-même s'est interdit avant que ne fût descendue la Torah. Dis-leur, apportez la Torah et lisez-la, si ce que vous dites est vrai. Verset 94. Donc, quiconque après cela invente des mensonges contre Allah, ceux-là sont des vrais injustes. Allahu Akbar. Donc là, Allah parle toujours de la typographie mercantile. Les gens vont changer la parole d'Allah à cause des biens de ce monde. On peut retrouver des versets encore dans la sourate 9, verset 7. Sourate Taouba, si je ne m'abuse. Je suis à la page de sourate 9, verset 7. Comment y aura-t-il pour les associateurs un pacte d'amis parmi Allah, non, par Allah et par son messager, à l'exception de ceux avec lesquels vous avez conclu un pacte près de la mosquée sacrée, tant qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux, car Allah aime les pieux. Sourate 9. Et après, on va maintenant sur la typographie maintenant idéologique. Dans la même sourate 3, verset 71. Sourate 3, verset 71. Sourate 3, verset 71, la famille d'Imran. Imran était le grand-père maternel de Jésus-Christ. Voilà. Sourate 3, verset 71. Ô gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Allahu Akbar. Donc là, toujours Allah nous conseille sur le Coran, sur les typographies ostentatoires, les typographies idéologiques, les typographies communautaristes et sectaires. Tu peux voir encore dans la sourate 9, verset 30. Sourate 9, verset 30. Sourate Taubat, c'est la seule sourate du Coran qui ne commence pas par Bismillahirrahmanirrahim. Sourate 3, verset 30. Les Juifs disent, Osée est le fils d'Allah. Et les chrétiens disent, le Christ est le fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dit des mécréants d'avant eux. Qu'Allah les anéantisse. Comment s'écartent-ils de la vérité? Comment peuvent-ils s'écarter de la vérité? Donc ça, c'est le verset 30 d'abord. Allah, ils disent, ils ont tout vu les miracles d'Allah avec Osée. Osée, c'est Ezra. La personne que Allah dans le Coran, il a fait mourir pendant 100 ans. Les gens disent qu'il était fils d'Allah, comme Jésus. Pourquoi l'a-t-il nassara, Masih ou Ibnullah? Les chrétiens aussi sont venus prendre en fait cette même manière de parler là. Il dit que Jésus aussi est fils d'Allah. Zalika qawluhum bi afwahihim. C'est la parole qui sort de leur bouche. Là, on est en face là de la typographie idéologique. Avec une mauvaise idéologie, en disant que Jésus est fils de Dieu, Ezra est fils de Dieu, Allah fait ressortir ça dans le Coran. Et c'est corroboré dans la sourate 9. Et prends le verset 31, où Allah parle des rabbins. Au verset 31, juste. Au verset 31 de la sourate 9, ils ont pris les rabbins et les moines, ainsi que le fils de Marie, comme seigneur en dehors d'Allah, alors qu'il ne leur a été commandé que d'adorer un Dieu unique, pas de divinité à part lui. Gloire à lui. Il est au-dessus de tout ce qui lui est associé. Allahu Akbar. Ils ont pris les moines et les rabbins comme des dieux en dehors d'Allah. Et le prophète a expliqué ça à un compagnon qu'on appelait Adi ibn Hatim. Parce que lui, il était chrétien et il s'est converti à l'islam. Il dit, le prophète, ce verset-là, moi-même, je ne comprends pas. Nous, on était avec les rabbins, on était avec les moines, on ne les a pas adorés. Pourquoi Allah envoie ce verset-là en disant, moi, je suis témoin oculaire. Pourquoi Allah envoie ce verset-là en disant, on a pris nos moines et puis nos rabbins comme des dieux en dehors d'Allah, alors que moi j'étais chrétien. Donc Adi ibn Hatim, ce verset-là, il était musulman, il croyait en Allah, il croyait au prophète, mais il est venu faire, il veut ouvrir un débat avec le prophète. Le prophète va lui expliquer maintenant la vraie compréhension de ce verset. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanan arbaba min dunillah. Ils ont pris les moines et les rabbins comme des dieux en dehors d'Allah. Le prophète lui dit, Adi ibn Hatim, quand Allah envoyer des versets de la Torah, c'est-à-dire révélé à Moïse. Allah dit, telle chose est licite. Et maintenant, les rabbins, ils disent que ce n'est pas licite. Vous prenez pour Allah ou bien vous prenez pour les rabbins? Adi ibn Hatim dit, ah,
En notre temps, si la Torah dit quelque chose, et puis maintenant nos rabbins disent que ce n'est pas ça, au lieu de suivre la Torah, on suivait nos rabbins. Bien que c'est écrit. Allahu Akbar. Posez la question. Donc, quand la Torah vous ordonne une chose, et maintenant les moines vous disent le contraire, vous faites pour qui? Il dit, ya Rasulallah, on voyait les livres écrits dans la Torah, mais on faisait pour les moines. Le prophète a posé la question encore. Quand la Torah vous interdit une chose, et les rabbins et puis les moines, à cause d'une typographie ostentatoire, ils vous disent de faire, vous faites quoi? Ils disent, on suivait toujours les moines. Le prophète dit ça qu'on appelle l'adoration. Vous les adorez sans vous adorer. Là, on était en face là de la typographie idéologique. Maintenant, on va descendre, comme Maître Mehdi Mahmoud a dit, la typographie communautariste et sectaire. Les gens adorent Allah avec les clans. La sourate 41, verset 40, 43, verset 41. Sourate 43, verset 41. Sourate 43, verset 41. Allahu Akbar. On apprend des choses ce soir. Sourate 43, le verset 41. Soit que nous t'élevons, soit que nous t'élevons, te ferons mourir, et alors nous nous vengerons d'eux. Sourate 43, verset 41. La sourate 41, verset 26 encore. Sourate 41 encore, le verset 26. Sourate 41, le verset 26, je suis à la page. Allah dit ceci: et ceux qui avaient mécru dirent, ne prêtez pas l'oreille à ce Coran. En fait, et faites du chahut. Ah, ok, je reprends. Et ceux qui avaient mécru dirent, ne prêtez pas l'oreille à ce Coran et faites du chahut pendant sa récitation, afin d'avoir le dessus. Très bien. Donc, voici des gens qui n'écoutaient pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause d'une typographie. Donc, quand le prophète récitait le Coran, il faisait du chahut. Il chahut. C'est-à-dire, ils étaient en train de faire des bruits pour ne pas que le message du Coran, la lumière, l'énergie du Coran rentre dans leur cœur de peur qu'ils se convertissent. À cause de quoi? À cause d'une typographie idéologique, à cause d'une typographie communautariste et sectaire. Donc, à cause des clans. Donc, Allah donne la compréhension. Voici des critères qui nous envoient vers peut-être l'hypocrisie qui fait qu'on n'arrive pas à comprendre la parole d'Allah. Et maintenant, on va revenir maintenant sur notre thème. Parce qu'on avait dit la dernière fois que Allah, il y a un frère même qui, dans le commentaire, il dit on n'a qu'à arrêter notre parole qu'au jour de la résurrection, c'est Jésus qui va décider ceux qui vont partir en enfer. Lis-nous Matthieu 5, verset 22. On va lui faire ce cadeau-là. Matthieu 5, verset 22. Allahu Akbar, il sera servi ce soir. Voilà, maintenant on rentre en feu et à volonté. Matthieu 5, le verset 22. Je suis à la page. Mais moi, je vous le dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et que celui qui dira à son frère, Raca, mérite d'être puni par les Sanhédrin. Et que celui qui lui dira, insensé, mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Parole de Jésus, qui vivra, verra. Donc, je ne sais pas s'il est en ligne, donc on lui fait ce cadeau-là. Il s'appelle, on le salue de passage. Il dit Je que c'est prends Jésus qui va note. faire rentrer les gens et c'est Jésus qui va faire rentrer les gens où? Au paradis. Alors que même selon votre Bible, Jésus ne rentre pas au paradis. Et Et selon le Coran, oui, selon la Bible, Jésus ne rentre pas au paradis. Et selon le Coran, Jésus rentre au paradis. Sourate 3, verset 49. Wa rasoulan ila bani Israël, anni qad ji'tukum bi ayati min rabbikum. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ أكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. Allah dit, on a fait un messager pour les enfants d'Israël et il est l'un des rapprochés d'Allah. Donc Jésus, il est d'office admis au paradis comme tous les prophètes. Mais Matthieu 5, verset 22, Jésus dit, selon vous, dans la Bible, que celui qui dit à son frère insensé, il rentre où? En tout cas, il rentre à l'enfer. Il rentre en enfer. Maintenant, si Oui. on voit des versets dans la Bible, Jésus même a dit ces mêmes propos. Prenons Matthieu 23, verset 10. Hey. Matthieu 23, verset 27. Verset 17. 23, 17. Matthieu 23, 17. Je suis à la page. Prenez note, devoir à domicile, coup biblique et coranique, édition spéciale. Insensé et aveugle. Lequel est plus grand? Lequel est plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? Ah. Donc, ce verset-là même,
élimine Jésus même parmi les gens qui vont rentrer au paradis, selon la Bible. Donc, en disant, c'est une incompréhension, en disant que c'est Jésus qui va faire entrer les gens en enfer, il va faire entrer les gens au paradis, d'abord, il se contredit. Même il y a des versets même qui sont convergés avec le Coran. Jean 14, verset 2. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Ça dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, en d'autres termes de mon Dieu. Je vais chercher une place pour que là je sois, vous y soyez. Vous y Ces soyez. versets sont convergents avec les versets dans le Coran. Mais si on veut aller de fond en comble, Matthieu 5, verset 22 a été contredit par Jésus lui-même. Dans Matthieu 23, verset 17, il a dit les gens insensés. Alors que celui qui est insensé, selon le style que la parole Jésus vient de dire, il ne peut pas avoir accès au paradis. Maintenant, comment tu viens maintenant avec cette compréhension en disant c'est Jésus qui va faire entrer les gens en enfer, va faire entrer les gens au paradis. Bon, c'est une personne qui ne lit même pas bien la Bible. Est-ce que vous voyez? Allah Et on va Akbar. rentrer en où les gens se basent dessus pour dire que Jésus, il est un Dieu ou bien il ne sait pas de quoi je vais. Qu'est-ce que je vais dire? Jean 8, verset 58. Jean chapitre 8, Voilà Jean 8, verset verset 58. 58, le verset phare des chrétiens. Écoutez la lecture et vous allez prendre note ce soir, vous allez comprendre l'explication. Jean 8, 58, Jésus l'a dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Oui. On dit Jésus a existé avant Abraham, J'ai selon pas le compris. verset. Jean 8, 58. Très bien. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Donc là, Jésus est en train de parler de sa vie anténatale. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Si on veut aller un peu plus loin, il parle de sa vie antécosmique. Parce qu'il y a la vie antécosmique, il y a la vie anténatale, il y a la vie périnatale, il y a la vie postnatale antéprophétique. Allahu Akbar. Tous les prophètes, ils ont cette manière de s'exprimer sur la forme stylistique. Donc, si on veut prendre ce verset-là en disant que avant qu'Abraham ne fût, je suis, mais qu'est-ce que Jésus même dit dans la Bible avec un verset qui explique sa vie anténatale? Donc, Psaume 22, verset 9. Psaume 22, verset 9, devoir à domicile, prenez note, cours biblique et coranique, Aziz est dans la place. Psaume 22, verset 9, je fais la lecture. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Très bien, continue, continue le verset. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Tu as été, Allah Akbar, tu as été mon Dieu depuis Donc que je ça, suis dans le ventre de ma maman. il s'agit de sa vie anténatale. Mais Jean 8, verset 58, comme le dit Maître Mehdi Mahmoud, il s'agit là de sa vie antécosmique. Mais le prophète avait dit ça aussi. Avant qu'on ne donne les hadiths du prophète, Jérémie avait dit ça aussi dans Jérémie 1,5. Lis-nous Jérémie 1,5 rapidement. Jérémie chapitre 1, le verset 4 à 5, je suis à la page. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Au verset 5. Avant que je te fusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne fusses sorti du sein, de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Bon, ça, c'est la vie antécosmique. Dieu a révélé ça à Jérémie. Et ça veut dire que Jérémie est Dieu. Jean Pas 8, du verset tout. 58. Avant qu'Abraham ne suit, je suis. Donc, cette expression, des versets qui montrent la vie antécosmique d'un prophète, selon les styles utilisés dans la Bible, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Jésus s'est arrêté sur Abraham. Mais le prophète dit, avant qu'Adam ne soit dans sa forme définitive, c'est-à-dire ne soit dans sa forme inerte, moi, Mohamed, j'étais déjà là. Jésus s'est arrêté dans son explication de sa vie cosmique, il s'est arrêté à Abraham. Et le prophète a surpassé, il a dépassé même Jésus. Il dit même avant Adam. Donc le prophète, quand on explique sa vie, on explique sa vie antécosmique, anténatale, périnatale, postnatale, antéprophétique. Et ça, c'est la prophétie prophétique, c'est un autre paramètre encore. Donc ça, voici des versets dont les gens, ils ont un problème de la connaissance stylistique. Les gens ne comprennent pas en fait les paroles prophétiques, la terminologie prophétique. Et les paroles, comment ça, la métaphore intellectuelle. Donc, on va retourner dans l'Ancien Testament. Et Allah même qui a dit ça à Jésus, dans Psaume 29, 22, verset 9, et Jérémie 1, 15, Jean aussi 8, verset 58, là, ça parle de la vie antécosmique et anténatale. Mais le Coran avait déjà prédit ça. Ça, il s'agit là d'une information même de l'embryologie. Sourate 3, verset 5, où allez-y. Allah est dans le Coran où il dit, il connaît ce qui se passe dans les matrices.
Quelle est la lecture rapidement? Je suis en train de le dire. Ouais, surat 17. Non, surat 3, surat Imran, verset 5 ah, à 6. Surat 3, verset 5. Je suis à la page. Rien vraiment ne se cache d'Allah, de ce qui existe sur la terre ou dans le ciel. C'est lui qui vous donne forme dans les matrices, comme il veut. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Surat 3, verset 5 à 6. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. Et ça c'est corroboré par Jérémie 1:5, c'est corroboré même par qui? Par Jésus même, Psaume 22, verset 9. C'est lui maintenant qui connaît ce qui se passe dans les matrices. Vous allez dire encore, c'est lui même qui est rentré encore dans la matrice? C'est pas possible. C'est impossible, ça dit c'est inconcevable pour la raison et c'est une insulte pour l'intelligence humaine. Il y a un frère qui a essayé d'insister de lui donner les 10 rôles de la terminaison caudale. Je ne voulais pas trop choquer les gens, mais je vais lui donner un sommet. Je lui fais un. Je me demande si je dis ça, peut-être qu'il va éteindre la connexion et puis il va partir à la maison. Je lui donne un sommet. Les 10 rôles de la terminaison caudale. Surat 3, verset 75. Ken yakula ni to'am. Jésus et puis sa mère mangeaient de la nourriture. Avec ce verset-là, j'ai essayé d'étudier pourquoi là parler de la nourriture. Pour celui qui mange d'abord, tu demandes à un biologiste. Celui qui étudie l'anatomie humaine, celui qui mange, il peut avoir des problèmes de la déglutition. Ça dit quoi? C'est l'action d'avaler. Et dans l'action d'avaler, il y a ce qu'on appelle la dysphagie. Ça dit, c'est les problèmes du fait d'avaler. On peut être atteint de dysphagie. Est-ce que tu me suis? Les gens, ils peuvent tenter de manger, ils peuvent avoir des problèmes à la gorge. On appelle ça la dysphagie. Donc, tous ceux qui mangent, ils peuvent avoir ça. Et après tout ça, celui qui mange, il est obligé d'aller dans les besoins sanitaires. On avait déjà parlé de Atunatu. Le Dieu signifie celui qui n'a pas le système excrémental ni de terminaison caudale. Et le savant qui expliquait, le chercheur biologiste qui expliquait les 10 rôles de la terminaison caudale, il dit même si l'homme se met dans un endroit, il fait du vent, n'est-ce pas? Il fait du vent pendant 6 mois dans une maison. Il dit, ça peut déformer quelqu'un comme de la manière ça a été à Hiroshima. Qu'est-ce que tu me suis? Allah Akbar. Oui, si une personne se met dans un endroit, il a fait du vent pendant 6 mois et demi. On gaz ce gaz. C'est-à-dire, c'est une insulte pour l'intelligence humaine. Celui qui fait du vent pendant 6 mois et demi, il dit que on le met dans une maison. Ce gaz-là, on gâte. Tu fais rentrer un enfant, ça peut le déformer. Allah. Et la réaction qui peut survenir, ça peut être comme la réaction de quoi? De l'Hiroshima qu'ils ont jeté. La bombe atomique qu'ils ont jeté. C'est plus qu'une bombe. Donc, dire qu'une personne qui mange, il va devenir Dieu, ça c'est vraiment une mauvaise conception de la divinité. Donne-nous le verset d'Ésaïe. Ésaïe 44, verset 6. On va retourner dans l'Ancien Testament. Chapitre 44, verset 6. Devoir à domicile, prenez notre cours biblique et coranique. Nous sommes en direct sur la page Facebook. Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. En moi, il n'y a point de Dieu. Très bien. Ésaïe 44, encore verset 39. Ésaïe 44, je suis 44, verset 9. Verset 9. Voilà, Ésaïe 44, le verset 9. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont que tous des vanités. Et les plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Ésaïe 44, verset 9. Tous ces versets-là sont similaires à des versets que je suis dit dans la Bible. Jean 17, 3, comme Maître Méhidé Mahmoud l'avait dit hier. Or, la vie éternelle, c'est que tu te connaisses, toi, le seul véritable Dieu. Jean 8, verset 40. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu? 1 Corinthiens 11, verset 3. Il faut que vous sachiez que Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Jean 14, verset 28. Le Père est plus grand que moi. Jean 13, 16. Est-ce que vous voyez? Tous ces versets sont dans la Bible. Jean 14, verset 1. Moi, croyez en Dieu, croyez en moi. Ça fait deux personnes distinctes. Il y a des versets et des versets dans la Bible. Mais ces versets-là, Jésus est en train de parler du Dieu créateur. Lis-nous Matthieu 11, verset 25. Je te loue, Père, Seigneur des cieux et de la terre,
Les choses que tu as cassées aux sages et aux intelligents et que tu as révélées aux enfants. Matthieu 11, verset 25. Matthieu, chapitre 11, le verset 25. Voilà. Matthieu 11, verset 25. Je suis à la page. Et je lis. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as cassé ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu leur as révélé aux enfants. » Allahu Akbar. Donc ça, c'est Jésus qui est en train de parler. Il parle du créateur des cieux et de la terre. Et ça, c'est conforme dans Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, je te loue, Père. Rabbu samawati wal ard. C'est beaucoup dans le Coran comme ça. Seigneur des cieux et de la terre. Il ne parle pas de lui-même. Il parle d'un autre créateur qui est au-dessus de lui. Des choses que tu as révélées aux enfants, il t'a caché aux sages et aux intelligents. Maintenant, si on doit revenir l'histoire de Jésus avec précision et puis concision, dans la sourate 19, versets 26 à 34, fais-nous la lecture sur la naissance surat de Jésus. 19. La maman de Jésus, c'est la sourate de la maman de Jésus. Sourate 19, versets 26 à 34. Je suis à la page et je lis. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouit. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Puis, elle vient auprès des siens, en le portant le bébé. Il dit, ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur d'Aaron, ton père n'était pas un homme de mal, et ta mère n'était pas une prostituée. Verset 29. Elle fit alors un signe vers lui, le bébé. Il dit, comment parlerons-nous à un bébé au berceau? Mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre, il m'a désigné prophète. Verset 31. Où que je sois, il m'a rendu béni, il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zakat. Et la bonté envers ma mère, il ne m'a fait ni violent, ni malheureux, et que la paix soit sur moi, le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Allah a parlé. Donc, la partie où il dit wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Voici là où les gens ont transformé la pacotille en or en disant que oui. Jésus en train de parler de la rédemption. Que la paix soit sur moi, le jour où je mourrai, le jour où je naquis, n'est-ce pas? Le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité. Et on parle de sa mort naturelle, on ne parle pas de là de la rédemption. S'ils prennent ce verset-là en disant que le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité, c'est que Jean aussi dans le Coran, il est mort ressuscité aussi. Cette même parole-là, Jean l'a repris aussi. Dieu a repris ça à l'égard des gens au moment de sa naissance. Lisons la sourate Maryam. Au même verset, au verset 15. Sourate 19, verset 15. Que la paix soit sur lui, le jour où il naquit, le jour où il mourra, le jour où il sera ressuscité vivant. Jean le Baptiste, Yahya. Ça s'appelle Jean le Baptiste. Alors qu'ils étaient cousins. Donc si on veut comprendre le Coran, pour ceux qui ne comprennent pas le Coran, ils voient les versets en français. Le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité directement, ça veut dire que Jésus est mort ressuscité sur la rédemption. C'est faux et archifaux. Si c'est ça, c'est que Jean-Baptiste aussi, dans Genève, dans Sourate Maria, verset 15, cette même parole a été dite avant Jésus à Jean-Baptiste. Et je le vois. Prends Ésaïe 44, verset 2. Ésaïe 44, verset 2. Ésaïe, chapitre 44, le verset 2. Je suis à la page directement. Ésaïe. Ésaïe 44, le verset 2. Je lis. Ésaïe 44, verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Donc, très bien. Donc, tous les prophètes, ils ont passé par une mère, y compris Jésus. Et voici maintenant la parole qui est corroborée même par Jacob. Ésaïe 44, verset 2. Et après la naissance, n'est-ce pas, Allah nous donne maintenant, il nous explique comment de la manière maintenant l'homme doit tenir en fait l'enfant. Prends la sourate Ahkaf, la sourate 46, verset 14. On va lire quelque chose. Sourate 46, le verset 14.
Je suis à la page. Voilà, il dit, c'est ceux-là, non, ceux-là sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Verset 15. Et nous avons enjoint à l'homme la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté et l'a péniblement accouché, et sa gestation et sévrage durant 30 mois. Puis, quand il atteint ses pleines forces et il atteint 40 ans, il dit, « Ô Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes pères et mères, et pour que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais que ma postérité soit de moralité saine. Je me repens à toi, je suis du nom des soumis. » Allahu Akbar. Donc, très bien. Donc, Allah, il parle là du processus embryologique et en maintenant la douleur de l'enfantement. Donc, Jésus a passé par ça. Parce que dans le Coran, Allah, il cite comme de la manière la douleur de l'enfantement. On fait quoi? On fatiguait quoi? Marie. Marie. Qui me disent Inna khalati tusaqit alik rutuban janiya faquli washrabi waqri ayna. La douleur de l'enfantement l'a fatigué. Quand elle a accouché Jésus, Allah tient à casse secouer quoi? Le palmier des dattes. Et dans ça, maintenant, elle a eu des fruits, elle a mangé, n'est-ce pas? Ça a pu lui donner du tonus. Et donc, Jésus a passé par ce processus-là. Celui qui lui disait ça, il s'appelait Allah. On parle d'un des versets du Coran. Mais il faut rappeler encore Luc 2, verset 21. À sa naissance, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans la Bible? Luc chapitre 2, 21, prenez note. Luc est dans le Nouveau Testament, premier, deuxième verset 21. Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis, arriva, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Très bien. Donc, Marie tombe enceinte, les douleurs de l'accouchement, la fatigue. Après, Jésus naît, on dit l'enfant. Dieu n'est pas un enfant. L'enfant qui s'appelait Jésus, et il a été circoncis à quel âge? Au huitième jour. Même les anges n'ont pas de sexe. On a donné le verset la dernière fois. La yasuna lama amara wa yuf'alu lama yu'maru. Donc maintenant, voici la conception. Voici la conception biblique qui montre que Jésus, c'est un prophète de Dieu. Et l'enfant Jésus, c'est corroboré dans la Bible, c'est corroboré dans Luc 2, verset 21, dans la sourate 19 aussi. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, il faut nous prendre la sourate al-Baqara où on parle de Ouzé, au verset 259. Sourate Baqara, sourate 2, verset 259, devoir à domicile, je suis à la page. Sourate 2, verset 259, une histoire très, très intéressante et enrichissante. Sourate 2, verset 259, ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté. Comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort, dit-il. Allah donc le fit mourir et le garda ainsi pendant 100 ans. Puis il le ressuscita en disant, combien de temps tu demeures, combien de temps as-tu demeuré ainsi? Je suis resté un jour, dit-il. Non, je suis resté un jour, dit l'autre, ou une partie de la journée. Non, dit Allah, tu es resté 100 ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson. Rien ne s'est gâté, mais regarde ton âne. Et pour faire de toi un signe pour les gens, et regarde ces ossements, comment nous les rassemblons, et nous les revêtons de chair. Et devant l'évidence, il dit, je sais qu'Allah est omnipotent. Allahu Akbar. Lui, il est mort pendant combien de temps? 100 ans. 100 ans. Il est revenu encore, il n'est pas Dieu. Oui. Et trois jours, hein. Il est mort 100 ans. Il est mort 100 ans. Il est revenu. Il n'est pas Dieu. Eh, Allah. Il dit, il n'est pas mort 3 jours. Il est mort 100 ans. Il est revenu. Il a vécu comme les autres. Il n'est pas Dieu. Oui. Il y a des gens encore qui ont dormi après lui 309 ans. Ashab al-Kahf. Il est la sourate 17, verset 18. Jusqu'à 25 là-bas. 18. Sourate 18 et suite. Sourate la caverne.
Alors, sur la caverne, verset, c'est ainsi que nous les ressuscitâmes. Voilà, au verset 17, surat la caverne, verset, surat 18, verset 17. Tout le monde vit le soleil se lever et s'écarta de leur caverne vers leur droite. Non, attends, je remonte un peu derrière. Quand vous serez séparés d'eux, voilà, voilà. Surat 18, verset 16. Et quand vous vous serez séparés d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, réfugiez-vous dans la caverne. Votre Seigneur répandra de sa miséricorde sur vous et disposera pour vous un adoucissement à votre sort. Et tu aurais vu le soleil quand il se leva, quand il se lève, s'écarter de leur caverne vers la droite, n'est-ce pas? Et quand il se couche, passa à leur gauche, tandis qu'ils eux-mêmes sont dans la caverne, sont dans une partie spacieuse de la caverne. Cela est une merveille d'Allah. Celui qu'Allah a guidé, c'est lui le bien guidé. Et quiconque Allah égare, tu ne trouveras alors pour lui aucun allié pour le mettre sur la bonne voie. Verset 18. Et tu les aurais cru éveillés alors qu'ils dormaient. Et nous les tournons. Allah Akbar. Nous les tournons sur le côté droit et sur le côté gauche, tandis que leurs chiens étaient à l'entrée, pattes étendues. Si tu les avais aperçus, certes, tu leur aurais retourné le dos en fuyant. Et tu aurais été assurément rempli d'effroi devant eux. C'est ainsi que nous les ressuscitâmes, afin qu'ils s'interrogent entre eux. L'un parmi eux dit, combien de temps avez-vous demeuré là? Il dit, nous avons demeuré un jour ou une partie d'un jour. D'autres disent, votre Seigneur sait mieux combien de temps vous avez demeuré. Envoyez donc l'un de vous à la ville avec votre argent. Que voici pour qu'ils aient aliment, pour qu'ils voient quel aliment est plus pur et qu'ils vous apportent de quoi à vous nourrir. Qu'ils agissent avec tact et qu'ils ne donnent l'éveil à personne sur vous. Si jamais ils vous attrapent, ils vous lapideront ou vous feront retourner à leur religion. Et vous ne réussirez alors plus jamais. C'est ainsi que nous fîmes qu'ils soient découverts. Attends, le verset, on n'a pas trouvé le verset de 100 ans, hein, mais je pense que j'ai dépassé le verset. Hein. J'ai passé le ils verset déjà, trois. Le coup est allé fini. Ah ok, d'accord. Ok, allons-y, je t'écoute maintenant, Aziz. En fait, c'est juste pour vous dire que après lui qui est décédé 100 ans, voilà, il est revenu, il n'a jamais été. C'est au verset 25. Oh, il demeurait dans la caverne 309 ans et nous ajoutons 9. Non, 300 ans. Voilà, c'est ça. 300 ans et nous ajoutons 9. Voilà. Surat 18, verset 25. Allahu Akbar. Allez. On zat al yamin wa zat al shimal. Wa kalbuhum basitun zira'in bil wasit. On les tournait. Il y a le miracle. On les tournait de la gauche et de la droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Allez, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu les voir, ils avaient, le chien était patte étendue. Tellement le chien, de la manière que ses yeux étaient ouverts, et puis il était patte étendue, si le prophète allait voir, il allait avoir le froid, c'est-à-dire il allait avoir un peu peur. Ça, c'est la peur naturelle, qui n'a rien à voir avec, qui n'a pas la crainte de Dieu. Dieu a dit sa mère à Moïse, quand les magiciens ont jeté les bâtons, Moïse a eu un peu peur. « Wa jari fata Moussa » Moussa, la taraf, innaka antal a'ala. Moïse, n'aie pas peur, tu seras au-dessus. Est-ce que Moïse avait peur? C'est une peur naturelle. Quelqu'un peut te frayer, tu peux avoir peur. Ça n'a rien à voir, tu n'as pas la foi. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un va voir ce verset là où Dieu dit au prophète, si tu avais vu le chien, tu allais avoir peur, tu allais prendre la fuite. Ça, c'est la peur naturelle qui n'a rien à voir avec la foi. Donc Allah, il en est démontré que ceux-là, ils ont fait 309 ans. Ils ont vécu après. Ils ne sont pas Dieu. Pourquoi Allah dit dans le Coran ce miracle-là? On les changeait à gauche, on les changeait à droite. D'abord, la première des choses, les savants ont démontré que dans la médecine, une personne, son corps va rester sur un endroit pendant 6 mois, automatiquement ça va coller l'endroit. Ça concerne les malades. Quand ils sont à l'hôpital, à partir d'un moment, on le tourne, parce que son corps peut coller même au drap. Allahu Akbar.
pour ne pas que la terre pourrisse leur corps, l'ange Gabriel venait chaque 6 mois, dans 309 ans, il venait les changer, comme des jouets. Il les change comme ça. Après, il vient les changer comme ça. Il vient les changer comme ça pendant 309 ans. Allah Akbar. Et Allah a fait quoi encore? Allah a gardé les yeux ouverts. Les savants disent que si les yeux étaient fermés, les yeux allaient pourrir. Mais il a gardé les yeux ouverts pour que le vent tape pour ne pas que ça pourrisse. Donc les yeux étaient Allah ouverts. Akbar. Ils sont pendant 309 ans et chaque 6 mois, l'ange Gabriel venait les changer pour ne pas que leur corps pourrisse à cause de la terre. Jésus n'était pas là-bas où? C'est pas Jésus n'était pas là-bas. Celui qui a envoyé, si vous voyez, j'essaie d'expliquer ce miracle-là, celui qui a envoyé l'ange Gabriel pour faire tous ces miracles, 309 ans après, ils ont vécu. Ils ont vécu. Oui. Ou ils ont vécu 100 ans après. Jésus n'était pas là-bas. Fatawakal ala hayu lezi la yamout. Il faut nous prendre la sourate 31, au dernier verset, sourate Luqman. Sourate Luqman, sourate 31, verset, dernier verset. Je suis à la page. La connaissance de l'heure est auprès d'Allah. Et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice. Et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et personne ne sait ce qu'il acquérera demain. Et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Donc, je vais prendre un seul verset pour terminer où Allah dit « Inna Allah indaw ilmu sa'a ». Ça, mais ça suffit comme débat. À lui, la connaissance de quoi? De l'heure. La de l'eschatologie. On y a Ziliris, on y a la main fil arham, il sait ce qui est dans le vent de la mer. C'est corroboré dans la Sourate 3, verset 5 à 6, où il dit c'est ce qui est dans le vent de la mer. C'est corroboré par Jésus lui-même dans Somme 22, verset 9, où il dit tu étais mon Dieu dans le vent de ma mère. C'est corroboré même par Jacob 44, Esaïe 44, verset 2. Mais pourquoi je vais faire sortir un élément? Il a la connaissance de l'heure. L'heure là même que Jésus même ne connaît pas. Ils ont demandé à Jésus l'heure. Qu'est-ce qu'il a dit? Au sujet de l'heure. N'est-ce pas? Personne ne le sait. Ni le Fils. Ni les anges. Sauf qui? Ni les anges. Sauf qui? Sauf le Père. Sauf le Père. Sauf le Père. Marc 4, verset 11 à 12. Il ne connaissait même pas la saison. Si Jésus ne connaissait même pas la saison, est-ce qu'on peut parler même de du jour de la résurrection? Ce n'est pas possible. Il ne sait même pas le temps même de l'âme des figés. Ce qui a été cause, il a maudit même le figé. Et vous lui posez la question sur l'heure, il dit au sujet de l'heure, là, moi je ne connais pas où. Le Fils ne la connaît pas, donc il n'est plus Dieu. Il dit le Fils ne connaît pas. Les anges ne connaissent pas, sauf le Père seul. Le Père là, c'est le Père qui a fait venir Mohamed pour dire encore dans la sourate Luqman, « Inna Allah » à lui la connaissance de l'heure. Ce Seigneur-là, c'est celui qui a créé Jésus. C'est clair. Et cet homme-là, c'est tellement vrai, Jésus ne connaît pas l'heure. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il connaissait l'heure? Il ne connaissait pas l'heure. Oui, il connaissait. Est-ce qu'il connaissait l'heure? Non. Il ne connaissait pas l'heure. C'est corroboré dans un hadith. Hein? Où Ibn Khattab dit, « Bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam » ذات اليوم استولى علينا الرجل شديد البياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتي إلى ركبتي ووضع كفي على فخذي. وما بن كتاب دي on était assis avec le prophète صلى الله عليه وسلم on avait une personne qui est venue il avait une des habits d'une blancheur éclatante il avait des cheveux d'une noirceur intense. On le voyait comme un voyageur, mais il n'y a pas de trace de voyage sur lui. Hatta jalasa ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu s'agenouiller auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fasta rukubati la rukubati. Il a mis ses genoux en face des genoux du prophète. Au wada kafi ala fakhzi. Il a pris ses mains, il a mis sur les jambes du prophète. Fakwala ya Muhammad. Akhbirni alin islam. Il dit, oh Muhammad, comment j'ai informé l'islam? Après, le prophète a répondu. Il dit, fa akhbirni. En l'iman, faut nous dire la foi c'est quoi? Le prophète a répondu. Après il dit, fa akhbirni an l'ihsan. Faut nous expliquer la foi parfaite. Le prophète a répondu. Le cache-mâchoire il dit, fa akhbirni an sa'a. Faut nous expliquer. L'heure là c'est quand? Allah il dit au sujet de l'heure, c'est lui Allah qui a la connaissance de l'heure. Jésus dit,
au sujet de l'heure, c'est le Père seul qui connaît. La même question a été posée au prophète. L'ange Gabriel, il ne connaît pas lui-même. Il vient demander au prophète. La fin du monde, c'est quand? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit... L'interroger n'est pas plus savant que celui qui l'interroge. Allahu Akbar. Le prophète ne connaît pas l'heure. L'ange Gabriel qui vient poser, il ne connaît pas l'heure. Jésus corrobore ça dans l'évangile. Il ne connaît pas l'heure sauf le Père seul. Il s'est corroboré encore dans la sourate 31, au dernier verset. Inna Allah inda ilmu sa'a. A eu la connaissance de l'heure. Donc celui qui veut comprendre Allah, il veut connaître Allah. Allah ne dort pas. Il ne somnole pas. Il n'est même pas Jésus, celui qui a créé Jésus. Et maintenant, si vous prenez le nom Dieu, 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 comme c'est un nom qui est polysémique, c'est un nom qui est commun, ça peut être attribué à tout le monde. Ce nom-là même, Dieu n'a pas besoin de ce nom. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu, c'est un nom qui est commun. Un nom qui peut être attribué à n'importe quelle personne. Allah, c'est le nom propre de Dieu. Oui. Est-ce que tu me suis? Allah, c'est le nom propre de Dieu. Et il faut nous lire la sourate 2, sourate 2, verset 255. Ayatou Kursi. On va terminer avec ça. Inch'Allah, nous sommes à la fin de l'émission. Aziz Khan était là ce soir pour nous édifier. Encore une fois, prenez note. Celui qui connaît la vérité, c'est Allah. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Sourate 2, verset 256, la sourate du trône. 55. Allah, 25. Pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Khayyum, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science, il embrasse ce qu'il veut. Son trône coursillou déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte en rien, dont la garde ne lui coûte en rien. Voilà, dont la garde ne lui coûte en rien. Car il est le très haut, il est le très grand. Allahu Akbar. Sourate 2, verset 255, la sourate du trône, Ayat al-Kursiyou. On va terminer avec ce dernier verset-là, la sourate 2, verset 255, Ayatou Kursi, que tu as lu. Il dit, « Ya'lama bayna aydihim wama khalfahum. » Il connaît le passé et puis le futur. On ne parle même pas du présent. Le passé, là, il connaît. N'est-ce pas? Le futur, il connaît. On ne parle même pas du présent. Mais Jésus, même dans le présent, Marc 11, Marc 4, verset 11 à 12, il ne connaît même pas la saison. Au présent, même, il ne connaît pas. Il ne parle même pas du futur, il ne parle pas du passé. Présent, même, il ne connaît pas. À cause de ça, il s'est maudit là. Lise ça pour terminer. Marc 4, verset 11 à 12. On va terminer avec ça. Marc chapitre 4, verset 11 à 12. Prenez note, devoir à domicile. Je suis dans la partie. Marc chapitre 4, verset 11. Attends, pour les figuiers. Hein? Pour les figuiers, Marc 12, 10. Verset 11. Je voilà, Marc, voilà, voilà. Sans trop oublier. Voilà, je suis à la page. Jésus entra à Jérusalem dans le temps. Jésus entra. Voilà. Le lendemain. À Béthanie. Voilà. Marc chapitre 11, verset 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles et qu'il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en est approché, il trouva que des feuilles. Car. Ce n'était pas la saison du figuier. Ah! Là, 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 là. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Allahu Akbar. En parlant de la compréhension, on va terminer avec ça pour dire que Jésus est Dieu, c'est une insulte pour l'intelligence humaine. Et ceux qui ont répété cette parole-là, ils n'ont pas savoir que il y a des gens qui ont pris Attis, Isis, Osiris comme des dieux. Ça n'a pas fait quelque chose. Et c'est de voir. Donc Allah, oui. Celui qui a créé le créateur de toutes les matières, qui a créé Jésus, qui a créé Moïse, qui a créé Abraham, qui a créé les anges, dont les appeler Dieu dans la Bible, ça ne résout aucun problème. Donc on était dans une parenthèse où on voulait expliquer à celui qui nous a dit depuis la dernière fois qui était Jésus. Donc pour montrer que les musulmans connaissent Jésus que tout le monde, il fallait revenir dans le Coran pour comprendre qui est Jésus. Avec le dernier testament qu'Allah a donné au prophète qui est le Coran. Et donc, on va repartir prochainement, en fait, avec l'explication et la véracité de la parole, sallallahu alayhi wa sallam, sur Daniel 2, verset 31 à 45, Daniel 7, verset 1 à 28, Daniel 8, verset 1 à 27. On va essayer de démontrer que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est le seul messager par qui l'humanité tout entière sera sauvée. Et parce que ça parle des rêves. Les rêves sont expliqués dans le Coran, dans la sourate Yusuf. Il y
y a trois personnes qui ont rêvé. Il y a un prisonnier qui a rêvé, il y a un prophète qui a rêvé, et il y a un roi qui a rêvé. Trois rêves. Donc il y a trois façons de rêver. Et ces trois rêves-là sont corroborés dans la sourate Yusuf. Et comme il n'y a pas de prophète, c'est les deux rêves qui sont d'actualité. Celui qui a la royauté, il continue à rêver parce que Allah lui a donné la royauté. Et le prisonnier aussi. Les savants disent que entre les deux, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui rêve que les deux-là. Allah Akbar. Les gens qui ont plus de soucis, ce sont ceux qui rêvent beaucoup. Il n'y a pas quelqu'un qui rêve qu'un président et puis un prisonnier. Ça veut dire que les trois façons de rêve sont expliquées dans le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le rêve fait partie de la 46e branche de la prophétie. Mais comme il n'y a pas de prophète, même dans la sourate Yusuf, Yusuf a rêvé, son papa dit de ne pas dire à ses frères. Et après maintenant, les prisonniers ils ont rêvé. Après le roi a rêvé. Donc un roi peut rêver, même s'il est mécréant, il peut faire un rêve qui aura une réalisation d'un futur proche, mais un futur lointain. On peut parler du roi Nabucodonosor, on peut parler même du roi de Yusuf. Donc, on va essayer de revenir dessus, Inch'Allah. Qu'Allah donne tous la compréhension. Subhanaka wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا vraiment Aziz Khan merci beaucoup. Aziz Khan était là ce soir encore dans ce grand mois béni de Ramadan. Nous sommes dans les 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan. Prions paix en Côte d'Ivoire, paix dans le monde entier. On dit merci à tous ceux qui étaient connectés pour écouter, pour apprendre, pour comprendre. L'objectif pour nous c'est faire dawa. Dawa c'est faire de plusieurs manières. De notre position, nous étions connectés avec 2000 personnes. Ils ont entendu, chrétiens, musulmans, bouddhistes et athées. Tout le monde a appris quand même quelque chose. Il va avec ça chez lui à la maison. On va se donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à partir de 14h, sinon de 13h à 14h, à 15h, j'allais dire. Il y a l'émission Petit Poteau Téléphonique dirigée par Ismaël Akka demain et suivi des conversions. Ismaël Akka toujours sera là-bas. Et n'oubliez pas de nous soutenir, n'est-ce pas? Dans la construction du complexe islamique chargé de convertir, Ismaël était sur le site aujourd'hui. Moi, j'étais un peu quelque part. Vous avez vu l'évolution des travaux. Ça ne fait qu'avancer, ça ne fait que pousser. Nous sommes dans le mois de Ramadan. C'est le moment d'avoir beaucoup de grâces, beaucoup de bénédictions. Ceux qui vont aller, n'est-ce pas, donner les zakats aux orphelins, aux démunis dans la construction, pensez à nous. On n'a pas dit de ne pas donner. C'est très bon de faire les zakats, c'est très bon de faire des aumônes. Pensez à nous pour la construction du complexe islamique chargé de convertir. Les liens seront sur la page tout à l'heure. Vous voyez les liens en bas de votre écran. Sur la page Facebook, Ismaël Akka officiel ou sans année officielle, l'islam dans la Bible, la vraie page. Notre page YouTube s'appelle Islam dans la Bible. Abonnez-vous à la page YouTube, l'islam dans la Bible, parce qu'il y a beaucoup de choses à venir. Après le Ramadan, nous allons multiplier encore la dawa dans d'autres styles encore. Et j'ai une grande surprise bientôt. Il y a un invité spécial qui va venir ici, mais je ne dirai pas le nom parce que ce n'est pas encore bien coordonné, mais ça va vous faire plaisir. Il n'est pas musulman, mais il viendra nous soutenir ou encore dire, ce n'est pas un débat, mais il viendra pour nous écouter. On lui posera des questions, les auditeurs vont appeler pour lui poser des questions. Il va parler de la Bible, il va parler que de la Bible. Il n'est pas musulman, je reste le suspense, c'est une surprise de taille. Donc, mercredi, c'est la pause. Jeudi, nous serons au Figaro pour la dernière étape dans le mois de Ramadan au Figaro. Et ainsi de suite, vous serez servis. C'était Oussaz Diané, la DDR est au contrôle. Merci beaucoup, Aziz Khan. On n'oublie pas de dire merci à Maître Mété Mahmoud qui nous a servi hier. Les internautes, vraiment, ils ont appris beaucoup de choses avec Maître. La connexion n'était pas trop bonne, mais c'est une affaire assive. Je vais essayer de le reprogrammer encore pour d'autres émissions. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Merci beaucoup à tous. Barakallahu fikoum et rendez-vous demain, Inch'Allah. Bonjour, mon nom c'est Richard. Quand je regarde autour de moi, je fais le constat que tout n'est que vanité. Dans la vie, se battre pour les choses n'en vaut pas la peine. Tes plus beaux vêtements peuvent être des torchons pour quelqu'un d'autre. La balance de ton compte en banque peut représenter le don d'une personne lors d'une soirée caritative. Ta petite amie, ton petit ami, ton fiancé, ton mari, ta femme et l'ex de quelqu'un. Chaque prostituée que tu vois dans un hôtel ou dans la rue, durant la nuit, était vierge à un moment donné. Alors pourquoi ces querelles? La vie est trop courte pour se sentir meilleur que qui que ce soit. Steve Jobs a dit, devant la mort, nous sommes tous nus. Rien ne peut nous en préserver.
Je déteste voir des gens qui se vantent de leur richesse, de leur beauté, de leur intelligence, de leur niveau d'études, de leur célébrité ou de leur possession matérielle. Il n'y a rien que nous pourrons obtenir dans la vie que personne d'autre n'a jamais eue.